Vous êtes toujours dans la concurrence. Il n'y a pas de concurrence, c'est ça. Tu es d'abord né quand? Tu es né quand pour faire la concurrence? Tu es qui? Tu es quoi? D'autres n'y a rien à nous. Tu te dis qu'ils ont vie à faire. Au lieu de chercher ta vie, les hommes que vous suivez là, eux, ils ont déjà eu leur vie. Hein? D'autres sont dans le secte. D'autres sont dans les loges. Ils ne cherchent que les filles aux mains et pieds comme toi, avec le long front. Et ils ont une grande loi et lui, toi, voilà. Même si on n'est pas là à l'école, on cherche au moins sa chair et faire sur nous la coiffure. Maintenant, on pose les ongles. Parce que la majorité, il y a des filles ici que l'école a tapées. Hein? On disait même que là, les certaines formations, c'était pour les filles qui n'ont pas été à l'école. Va apprendre à poser les ongles. Comme tu aimes poser les perruques, là, apprends à poser même les perruques. Apprends même à faire le make-up. Que les gens ne pas boire make-up. Apprends même à faire les massages. Bon, on va dire, voir, ne me faire que de nous pour voir mes femmes, ou qu'il y ait salon de massage, on va me faire des mots, et une famille de mots, c'est-à-dire que tant que tu ne fumes pas l'odeur d'un homme, tu ne restes pas tranquille. Ma chérie va te former en masseuse professionnelle. On va pouvoir voir, au moins si tu as appris quelque chose, tu as appris à faire quelque chose de tes deux mains. Pourquoi vous voulez même gâter vos vies? Quand vous voyez vos tatas qui sont là, elles ont les veines vertes comme ça, que même le diable ça ne prend plus. Elles ont vieilli, que ça t'a dit qu'il y a certaines femmes, quand elles vieillissent comme le diable. Tu entends seulement qu'elle était belle. Vous n'avez pas encore vu une femme qui vieillit bien aussi. Mais il y a des filles qui vieillissent bien. Hein. Vous avez déjà vu même ici sur TikTok. Il y a les tatas ici que tu vois celle-là, 50 ans. Tu dis, Anti, j'aimerais vieillir comme celle-ci. Vous voulez vieillir comment? C'est-à-dire que la syphilis t'a déjà tellement mangé que même tes poils ne poussent plus. Vous voulez finir comme ça? Dites-moi un peu, parce que moi je ne comprends pas. Oui, je sais que je suis brute. Parce que je pense que depuis que je vous parle, je vous caresse au sens du poil, vous ne comprenez pas le français. Depuis que je vous parle doucement là, non, mes petites soeurs, ne faites pas que ceci, ne faites pas. Vous ne comprenez pas. Ceux qui viennent souvent dire que Tata Sou, vraiment le moins fort, avec cette génération, le monde doit être fort. Elle n'ignore rien. Vos mamans n'ont pas fait les pramtous. Vos grands-mères n'ont pas fait les pramtous. Moi-même, votre grande sœur, comme je suis assise là. Zambane, c'est-à-dire qu'un seul homme déjà me dépasse. Pramtous, c'est-à-dire que le groupe d'hommes, c'est-à-dire que toi-même, tu te prends pour la chien. C'est-à-dire que même la chien, même ton vous, c'est-à-dire que vous avez même dépassé la chien. C'est-à-dire que vous êtes déjà placé au niveau de Issam Sarlé. Apprends à poser les ongles. Apprends à poser les ongles. Apprends à poser les perruques. Si ta tête est dure, l'école t'a dépassé. Apprends à poser les perruques. Apprends à poser les ongles. Apprends à faire le même quoi. Apprends à faire quelque chose. Apprends à faire les sucettes. Apprends à faire les coquettes. Apprends à faire les beignets. Laisse le dehors. Laisse le dehors. Laisse, il n'y a rien dehors. Je dis que regardez vos tatas que vous avez connues là, Bengaba Kabiswana Kabzuru. À Kabzuru, celles qui se sont repenties sont dans les foyers. Elles sont grand-mères aujourd'hui, elles s'occupent de leurs enfants. Celles qui ne se sont pas repenties, celles qui ont fait le tour du Gabon, la Guinée, elles ont fait le tour de tous les pays avant d'atterrir ici en Europe. Vous les voyez aussi ici. Vous les voyez aussi ici là. Ah, ou le manzoura gandang, viens, ou même ou sortir, à cadeau, ne voyez rien de mal, il croit pour un sang, c'est-à-dire que quand elle marche, tu sens que ouh, bref, vous voulez finir comme ça, c'est le moment. Allez même apprendre la restauration. La restauration, il y a l'argent, les décoratrices, vous ne voulez pas être, faites même dans l'événementiel. Devenez même des décoratrices. Hein? Mais pourquoi vous ne faites pas des choses bien? Faites quelque chose de bien aussi de vos deux mains. Pourquoi vous êtes toujours obligé de je ne sais pas, il y a quoi dehors? Il n'y a rien de... Les hommes ne font que profiter de vous. Hein? Moi, je n'ai jamais entendu qu'on dit que oh, le bangala de l'homme est tombé ou bien il n'est pas parmi vous. Les noyaux ont la même position. Les noyaux ne tombent pas. Le bangala ne tombe pas. Vos anciennes grandes sœurs qui sont devenues les anciennes bordelles, ce sont elles qui vont mettre les seins comme le coup de poing. Surtout les clients.
Parce que Nyangokarina, le corps que Dieu t'a donné, que le corps, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ton corps qui devient ton commerce. C'est-à-dire, ne marabouba que ba tio me bemo sa ke lindwa. Nyang me bemo ma jib na hal ma kuani ma. C'est-à-dire que c'est comme si tu jetais l'œuf du cinquième étage. Mais vergeture, que le bas à la canne, il y a une vergeture, tu peux te mirer dessus. Vous venez finir, mais vous allez finir comme vous. Ce que vous êtes. En fait, ma mère me disait toujours que Morosa, comme il m'en dit, est bonbon. Donc c'est la quantité, c'est la façon que toi-même, tu dresses ton lit là. C'est la même manière, c'est sur le même lit que tu vas dormir. Vous voulez être le genre de tata qu'on voit ici là que. Je pas mangé. Tu vas être la qualité là. Ou bien tu vas devenir un tangumba. Tu crées alors un faux profil. Tu commences donc à cibler tes cousines qui ont réussi, qui sont tranquilles. Et t'entends. Voilà. Tu peux. Nous-mêmes, moi j'ai fait les kermesses à l'école. On allait danser. On allait danser. Do, 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 do. Moi, voici aujourd'hui, je suis suze de comédie conseil, je vous conseille. Nous, à notre époque, nous n'avons pas fait les pramtous. Nous avons eu les kermesses à l'école. Nous avons fait les kermesses. Nous avons eu les interclasses. Moi, j'étais une très grande handballeuse. Je jouais les interclasses. Loin de là que vous prenez interclasses, il faut dire que vous pramtous. Minitour, nimitouena, quand vous vous ennuyez, vous avez la télé. À notre époque, même pour avoir la télé, il fallait être riche. La SIA TV nous ouvrait la télé, c'est à 16h ou à 15h30. On n'avait pas de... C'est-à-dire que quand tu rentres, on jouait normalement. Soit on va jouer au foot, soit on va jouer au hand. Il y avait toujours dans chaque quartier, un petit secteur qu'on fait un terrain de foot. Un demi-mille qui font d'amba. On joue un dokshi. Même au collège, je joue un dokshi. Au collège, je joue un dokshi. C'est-à-dire que nous, on jouait un dokshi babouche. On joue au pispion. Il y a nia qui fait un pispion. Pispion, mien yem ki, dorshi, mien yem ki, tout ce qui est normal, mien yem ki, tout ce que vous connaissez, tout rien n'est bon. C'est-à-dire que votre, mien yem ki, c'est-à-dire que, on dirait, la, notre génération, si, la nouvelle génération, si, on dirait, il y a un truc qui, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Parfois, je reste comme ça, je dis, mais, c'est comme s'il y a eu un décalage de quelque chose. C'est comme s'il y a eu un décalage de quelque chose. On joue au pispion. On joue, on appelle ça comment? Le truc de faire, on ferme les yeux là. On y a des jeux même instructifs, c'est-à-dire qu'on citait les noms des pays. Hein? On te dit, on sort un pays, on donne le drapeau, on dit le nom du pays. On faisait des choses comme ça. Je ne comprends pas cette dépravation de mœurs, mais c'est exagéré. On vous parle. Comme la nouvelle génération d'influenceuses, alors, celles qui se cachent au jour d'aujourd'hui, parce qu'on va beau se dire, la nouvelle génération des influenceuses n'a pas aidé nos petites sœurs en Afrique. Parce que moi, quand j'ouvrais mon Facebook, j'ai ouvert mon Facebook, je crois, en 2011, 2010. Quand j'ouvrais mon Facebook, c'était les bonjour, bonsoir, comment tu vas? Il y a une influenceuse, benga que soit, il bambin qui y a sang, il bamba, benga que toi, sang, il bamba. Elles sont venues nous montrer comment elles voyagent trois fois par jour. Aujourd'hui, quand je vois certaines disent qu'elles sont gentilles, elles ont donné leur vie à Jésus, elles sont devenues calmes, elles se sont mariées, elles sont posées. Je dis que ce que vous avez fait là, il faut vraiment vous repentir. Moi, je pense que vous devrez sortir les bouquins. Dire à la jeunesse que si vous m'aviez vu faire ça, je me suis trompée. Tout le monde doit se tromper. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Tout le monde a le droit. Dites à la jeunesse que comme vous m'aviez vu monter et descendre là, ça ne donnait pas. Je voulais aussi faire pour les yeux des gens. Parce que vos enfants vont récolter ce que vous avez fait là. Vos enfants. Mais déjà les filles ici, tous les jours, à nous champagne. Ou à nous champagne, nous, au bon marché. C'est-à-dire que tu te dis qu'elle a peut-être un flux d'argent derrière. Pour la firzo. Minga, Seigneur, vous êtes venu montrer à la jeune génération que la femme ne peut plus, une jeune fille ne peut plus manger à la sueur de son front, de son intelligence. Elle doit manger à la sueur de Mivoirnier. Est-ce que c'est normal? Je pense que chaque influenceuse, c'est pour ça que vous voyez, elles ont les vies catastrophiques. Entends deux mouvements, tu entends Nyanga Kimbini Lokel ni Binikani Binawana Tiankwal. C'est le moment de se repentir. Moi, je ne suis pas sainte. Mais je préfère prendre ce rôle de grande sœur et dire à la jeunesse que ce que vous voyez dehors là, ce n'est pas ce que vous croyez. Il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien de bon là-bas. Je vous assure, regardez seulement celles qui sont entrées dedans, comment elles sont finies.
Elles ne parlent plus. Maintenant, elles vous disent qu'elles ont compris. Soit elle finit avec un mari tueur en série, soit elle finit avec un braqueur, soit elle finit avec un mari, le mari de truie va se cacher qu'on ne sait jamais. Soit elle finit, soit, tous les jours, et si on vous montre les factures, on ne vous montre pas comment on va chercher l'argent. On ne vous donne pas les stratégies, comment être comme elle, si leur argent est vraiment légal.